L'amour ne peut être distingué de Dieu parce que Dieu lui-même est amour. Et nous ne pouvons pas nous réclamer appartenant à Dieu si nous n'avons pas l'amour en nous. Si nous ne nous mettons pas à la place de notre prochain, si nous n'offrons pas ce qui nous est cher à notre prochain, surtout aux orphelins, aux démunis et aux veuves comme nous le recommande Jacques 1, verset 27. Le 18 juillet 2018, lors de l'anniversaire de l'intendant général de l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach, cet homme que nous voyons dans la vidéo, a fait le sacrifice suprême en offrant sa voiture Mazda à une veuve. Et Dieu, par l'entremise de son oint, le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach, lui a libéré une parole chargée en disant que Dieu allait le surprendre. Toute parole de vérité vient de la bouche de l'Éternel des armées. Et Dieu me dit qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Exactement 3 jours après, 3 jours seulement, le Seigneur Jésus-Christ a surpris agréablement notre frère en lui offrant une Toyota Highlander, une 4x4, que c'est magnifique. Le prophète du Christ a l'habitude de nous dire qu'il ne nous enseigne pas ce qu'il ne dit pas, mais il nous enseigne ce qu'il dit. Chers frères et sœurs, ayons cette notion de sacrifice suprême. Soyons comme des imitateurs de Christ qui s'est sacrifié lui-même sur la croix pour nos péchés. Laissez rester dedans, vous allez voir comment ça est. Allons-y alors. Vous voyez, c'est l'intérieur de cette voiture. Hey, ça n'a rien de comparable. Ça n'a rien de comparable. C'est le jour et la nuit avec l'ancienne voiture. Eh oui, les voies de Dieu ne sont pas les voies. C'est carrément la nuit et le jour. C'est comme. Oui, oui. Ceci, quand tu restes dedans, je ne connais pas le paradis encore. Mais quand tu restes dedans, tu as l'air. Ma femme me mettait dedans, elle se souvient seulement le jour là, elle ne comprenait rien. Je dis non, que. Et tout ceci, ce n'est pas la grâce. Oui, pas la grâce. Et Dieu nous dit que ce que Dieu nous fait, ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, c'est ce que Dieu nous fait. Amen. Oui, amen, oui. Amen, parce qu'il est le Dieu justement de miracles. À présent, vous êtes propriétaire d'une Toyota Highlander. Oui, regardez, c'est Highlander. Et l'ancienne voiture, c'était quelle marque? Je vais montrer ça d'abord. H-I-G-H-L-A-N-D-E-R. Ça dit Highlander. Oui, grâce à c'est Highlander. C'est une voiture Highlander. Ouais. C'est Highlander. Ouais. L'ancienne voiture. Oui, c'était quelle marque? C'était quelle marque? C'est la petite voiture là, c'est des petites voitures des petits là. C'est Mazda, j'ai oublié même le nom là. C'est normal que c'est une 626. Oui, oui, Mazda. Mazda 626, oui, 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 justement. C'est normal que vous oubliez le nom. Oui, parce que lorsque Dieu vous élève, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Mais vous allez de gloire en gloire. C'est V6, hein, faut voir, c'est V6. Tu vois. C'est la voiture des grands. Oui, justement, quand je roule en ville, je suis en ville, je regarde que je dis non, je suis un grand. Oui, voilà, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Après cette grande surprise, ce grand miracle que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans votre vie, juste parce que vous avez obéi à la voix de Dieu au son prophète, en posant un acte d'amour, en offrant votre voiture, celle qui vous conduisait dans vos activités. Vous avez donné cette voiture à une veuve, vous avez posé ce tag d'amour. Et en retour, vous avez eu ce grand miracle. Quel conseil avez-vous à donner à quelqu'un à qui, par exemple, Dieu dirait, le Seigneur dirait demain, de poser un acte d'amour, de faire un sacrifice? Qu'avez-vous à dire à cette personne-là? Ouais, je vous remercie. Je pense que le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui serait dans le même cas, de ne pas hésiter. Parce que la voix du prophète, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de la repentance. C'est la voix de la bénédiction. C'est la voix du salut. Et ceci, comment tu peux avoir le salut quand tu ne veux pas écouter la voix de Dieu? Alors que Dieu parle à son prophète. Et tout ce que le prophète dira,
qui que ce soit, à mes frères, à qui que ce soit, il n'a qu'à fermer les yeux et marcher probablement dans la prophétie, dans les instructions du Seigneur. Et je pense qu'il va réussir en accord avec 2 Corinthiens 20. Merci aux deux prophètes du Christ, Maranatha Mashiach. Oui, par qui ce miracle est possible?